Bonjour tout le monde et bienvenue à SkiMag. Cette semaine, on poursuit notre voyage dans l'Ouest canadien avec une visite de Sun Peaks. Et on est privilégié, on est avec la légendaire Nancy Green. Nancy, merci de nous recevoir. Ah, merci beaucoup et malheureusement, il n'y a pas de soleil aujourd'hui, mais nous sommes tous contents qu'il neige. En effet, et quand on est avec toi et quand on est en ski, il fait toujours soleil, ma belle tête. On y va? Alors, on y va. Les 30 ans de SkiMag vous sont présentés par Gendron Ski. Cette émission a été enregistrée à Sun Peaks, en Colombie-Britannique. Sun Peaks, ouvert en 1961, a énormément d'histoires, mais s'est surtout développé à partir de 1992 lors de son acquisition par l'entreprise japonaise Nippon Cable Company. Après plus de 110 millions d'investissements, Sun Peaks est devenue une vraie station de ski avec un vrai village. Elle propose 137 pistes, dont 19 sous-bois et 2 bols, ce qui lui confère le statut de deuxième plus grand domaine skiable du Canada. C'est quoi comme montagne, Sun Peaks? Vraiment, c'est pas une montagne, c'est 3 montagnes. C'est 3 montagnes? Oui, c'est un village dans une vallée. On était avec le golf et le tennis et tout. Mais en hiver, nous avons le ski, les pistes de ski dans 3 montagnes qui encerclent le village. Quelle est la montagne principale à ce moment-là? La montagne principale, c'est Todd Mountain. Ça, c'est la montagne au début et la plus grande. Et c'est juste là. Mais maintenant, nous sommes dans la deuxième montagne, Sundance. Et c'est une montagne super parce que c'est presque tous intermédiaires et ça roule et c'est un beaucoup de plaisir pour tout le monde. Cette chaise Sundance ouvre à 8h30, une demi-heure avant le prochain. Good morning. Alors, c'est parfait donc pour commencer notre journée, pour se réchauffer peut-être? Oui, pour réchauffer. Puis aussi, au début de cette chaise, il y a la plus facile piste. Alors, Miguel va se joindre à nous. Allô, okay. Miguel. Et Nancy, qu'est-ce qu'on fait pour commencer? Sundance, on se réchauffe. Excellent, je te suis. OK. Par là, c'est une belle descente de réchauffement, ça, j'ai aimé ça. Sun Peaks, c'est 13 remontées mécaniques, dont 4 débrayables, qui vous hissent au sommet à 2152 mètres. Alors, on est rendu à Crystal Chair, Nancy. Oui, et ça, c'est la chaise la plus ancienne dans toutes les chaises ici. C'est à peu près 50 ans. Mais pour l'année prochaine, on va avoir un quadruple qui part de juste ici, puis plus haut que le cristal, et ça va changer un peu le haut de montagne. Installée plus haut sur le mont Todd, la nouvelle chaise quadruple fixe donnera accès à une plus grande variété de terrains. Ils sont beaux, vos panneaux. Ils sont nouveaux? Ouais. Oui, ils sont nouveaux, des panneaux. Ils sont faits ici et ça donne des informations très, très justes. Et ça peut être changé par un ordinateur en bas dans la station. So we're going spillway. La nouvelle neige ici, déjà, on commence à sentir l'accumulation. C'est damé en dessous, mais on a une belle petite poudreuse dessus. On se sent dans l'ouest. Youhou! Aller partout dans des pistes vertes, mais il y a aussi des pistes noires dans toutes les chaises.
Nancy Green a remporté 13 épreuves de la Coupe du monde de ski alpin en seulement deux saisons, soit en 1967 et en 1968. Ce record canadien est toujours inégalé. En 1968, elle gagne une deuxième Coupe du monde ainsi que la médaille d'or en géant et la médaille d'argent en slalom aux Jeux olympiques à Grenoble en France. Elle est la skieuse canadienne ayant remporté le plus grand nombre de victoires en Coupe du monde, tous sexes confondus. Nancy, quand tu as gagné ta médaille d'or en 1968, moi, j'étais un jeune skieur. Tu étais comme un peu mon idole. Là. Mais résume-moi ta carrière là, rapidement. Ouh! J'ai une carrière superbe. J'ai commencé avec mon premier Olympique à l'âge de 16. Et je suis là, dans la même chambre qu'Anne Hegvit, qui a gagné une médaille d'or pour Canada. Alors, je me dis moi-même, si Anne peut gagner, moi, je peux gagner aussi. Les gens qui sont plus jeunes, peut-être, connaissent pas toute ta carrière, mais il faut dire que tu as été votée par l'ensemble de la presse du sport, l'athlète du siècle. Puis tu me disais que l'athlète du siècle masculin, c'était qui? C'était Wayne Gretzky. Alors, Wayne Gretzky et toi, vous faites quand même une belle paire. Ouais. OK! Maintenant, c'est comme une descente! Allez, vite! C'est par là, Nancy? Oh, OK, on y va! Quelle belle piste de vélo de montagne! Nancy, c'est so much, c'est fun! T'es-tu hein? Une ado de 22 ans, toi? Mais c'est une piste de vélo et c'est la première fois pour moi, c'est fun! Restez là, SkiMag se poursuit après cette pause avec la suite de notre découverte de Sand Peaks. Sand Peaks est aussi le centre d'entraînement Nancy Green. Un secteur pour entraînement et il s'appelle Nancy Green International Race Center. Nancy Green. Ah! Et alors, pour avoir ça ouvert pour les équipes qui viennent de partout, on utilise un peu de neige artificielle pour être une bonne base. Oui, les équipes, j'en voyais là, beaucoup. Ça vient pas juste... c'est pas les équipes locales, là, ça vient... Non, je viens de Michel Pratt de Québec. Ils viennent tous les années. Ils sont venus pendant beaucoup d'années. Il y a un groupe de Tremblant qui est venu cette année aussi. C'est une très bonne piste qui a été désignée par l'équipe autrichienne avant les Jeux olympiques en 1910. Ils aiment la pente parce qu'il y a un changement de terrain. Et c'est une pente parfaite pour l'entraînement. Au niveau du ski, j'aime beaucoup que les jeunes, les programmes d'introduction de ski s'appellent les Nancy Green. Oui, et pour l'année prochaine... Oui, ils relancent. Avec des changements, mais c'est un programme qui était très bon parce que ça occupe avec les jeunes dans leur niveau d'avoir beaucoup de plaisir pour skier pour fun. En tout cas, à skier avec toi, on voit vraiment là, que tu communiques ta passion du ski. Puis nous, on est privilégiés parce qu'on le fait à SkiMag, mais aussi, si les gens viennent à Sand Peaks, ils peuvent skier avec toi. Oui, oui, bien sûr. Je suis sur la piste presque tous les jours et 5 jours par semaine, je suis à la sommet de le Bubble Chair. Oui. J'ai un point de réunion et tout le monde peut skier avec moi. Avec alors, joueurs. À 1 h l'après-midi, ils peuvent venir sans ouais, rendez-vous. Ils vont ouais, skier ouais. Avec Nancy Green. Tous les niveaux, c'est fun pour moi. Je reste en contact avec les skieurs. Et
C'est bon. Nancy, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ta montagne. Merci d'avoir skié avec nous. Hein. Ça a été un honneur. Hey, c'est plaisir pour moi. Merci. On est prêt pour une deuxième journée et on s'échauffe un peu. Faites-vous ça, vous, vous s'échauffez un peu, faire circuler le sang avant de commencer la journée? C'est prouvé que ça évite les blessures. Ça vaut la peine. Allez, on commence tout de suite. Hey, Simon! Hey, salut, Michel! Hey, content de te revoir. Content de te revoir. Voici Simon Gagnon, un Québécois du Saguenay établi en Colombie-Britannique. Puis Miguel va être avec nous autres aussi aujourd'hui. C'est toi qui vas nous guider? Oui, Sunpeaks, une petite visite guidée de Sunpeaks aujourd'hui. Ah. On a eu de la neige au courant des dernières journées, ça va être fantastique. Ah, je suis content, je suis en pleine forme, toi? Moi aussi, Michel. Ah ouais, on commence ça tout de suite. On est parti. Fait que là, Michel, je t'amène au sommet pour prendre deux chaises, puis on commence avec Sunburst. Sunburst, la chaise à bulles. Les Gills tiennent leur nom d'un des fondateurs de la station, Gil Marini. Il suffit de faire une petite ascension pour avoir accès à de la neige nouvelle. Le secteur est patrouillé depuis 2014 et on y fait aussi un contrôle d'avalanche. C'est bon ici? Oui, ça va être beau ici, on va se préparer. Hey, c'était pas long, hein? Ça s'est bien fait, 10 minutes? Oui, 15 minutes. 15 minutes? Marche de santé, puis on vient de chercher un beau petit secteur qu'on appelle les Gills. Ça, c'est de la belle neige. C'est bien profond. Ouh. Yeah! Bon, raconte-nous ton histoire. Qu'est-ce que tu fais à Sunpeaks? Moi, à Sunpeaks, je suis un instructeur de ski. Mon rôle à l'école de glisse, je m'occupe des GAP programs. Les GAP programs, ça, c'est les jeunes d'Europe, d'Australie qui viennent pour un internship qui dure de 12 à 18 semaines. On les prépare pour devenir moniteur niveau 1, 2 et on fait aussi du niveau 3 préparation. Je m'occupe aussi des entraînements des instructeurs. Alors, toi, tu enseignes aux enseignants? C'est ça. Est-ce que tu fais du ski à l'année longue? Oui. Moi, ça fait 6 ans que je fais des hivers en alternance. Je me promène entre le Colombie-Britannique et l'Australie. Alors, tu enseignes à l'année. Et en Australie, où enseignes-tu? En Australie, j'enseigne à une montagne qui s'appelle Hotham. C'est une montagne qui est 4 heures au nord de Melbourne. Et le printemps, moi, je m'amuse au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai la chance de posséder un voilier avec mon père. Et le printemps, on fait du bateau. Et maintenant, Michel, je t'amène faire la piste Bluff. Bluff, c'est une piste noire qui a des belles petites sections à pic dedans et ça va être le fun. Ça, c'est en bas de montagne. Alors, c'est normal que la couverture de neige soit un peu plus mince. On est en début de saison, là. Oui, évidemment. Quand on était aux Gills, on est beaucoup plus haut en altitude. Ici, on est un petit peu plus vers le milieu de la montagne, mais avec la petite neige qui est tombée en fin de semaine passée, ça va être magique. Donc, c'est plaisant. Il y a des pistes à pic là, jusqu'au village. Oui, tu peux avoir du challenge jusqu'en bas de la montagne. Parfait.
Hey Simon, tu sais ce que j'aime des pistes noires? Non. Ça donne faim. Ah, je t'amène au Massage Grill. All right. Le centre de l'expérience de Sun Peaks est son village alpin qui est moderne et chaleureux. De style européen, il est en forme de U et tout est facile d'accès. On y retrouve des restaurants, cafés, boutiques, mais aussi une infirmerie et des hôtels ski-in, ski-out. Le Carilty Hotel est situé en plein cœur du village piétonnier. Il propose non seulement des chambres, mais aussi des suites de 2 ou 3 chambres avec cuisinette et foyer. À Sun Peaks, il y a l'embarras du choix en termes d'hébergement. Sun Peaks, c'est une station familiale par excellence. Et en plus, elle offre un charmant village. On revient après la pause. On se trouve maintenant dans un grand espace blanc. Là. Ça, c'est typique de Sun Peaks, ici. Là. Oui, Sun Peaks, c'est une montagne qu'on a la chance d'avoir un petit peu de l'alpine, du côté alpin. Ça veut dire que les arbres ne poussent pas autant. Ici, à Sun Peaks, derrière moi, c'est le Crystal Bowl. Crystal Bowl, c'est plusieurs runs, c'est principalement du bleu. C'est quoi l'avantage d'avoir des grands champs de neige comme ça? Écoute, chacun peut faire sa trace. On peut skier à côté. L'avantage d'être dans un bowl, c'est pas une pente. Ça laisse place à la création. Tu peux t'amuser là, puis écoute, c'est ton canvas, là. Tu fais ta marque. Très beau terrain, de la belle neige. Et dis-moi, je t'emmène juste l'autre bord de la côte, là, où est-ce qu'on va aller faire les headwalls. Fait que ça, Michel, c'est ce qu'on appelle les headwalls. C'est là qu'ils faisaient la compétition de vitesse. Les gens atteignaient 150, 160 km/h. Ça, c'est du downhill, là, direct ça, en bas. Ça, c'est du downhill, pas de virage. Fait que nous autres, on va essayer de descendre là. On va peut-être faire des virages, mais on va aller voir si on est capable de pogner de la vitesse. Fait l'inclinaison, tu vois. Yes. Michel, comment tu trouves les headwalls? Comme on l'a fait, c'est pas super, hein? 75 virages, pas aller plus vite que 50 km/h, ça se fait très bien, mais j'imagine 0 virage, 150 km/h. Non, je pense que j'ai pas ce que ça prend. Ce centre de villégiature multisport propose 36,6 km de pistes de ski de randonnée, dont 17 sont en arrière-pays. De la randonnée en raquette à celle en traîneau à chien qui se déroule sur le golf, Sun Peaks est un terrain de jeu pour les amateurs de plein air. Allez les chiens! Il est possible de faire de superbes randonnées de traîneau à chien. Vous pourrez apprendre les rudiments de ce sport exaltant. Il y a 3 traîneaux de disponibles et les randonnées se font en petits groupes. Yeah, I guess. Si vous le désirez, on vous montrera même à manier le traîneau. Smart. You know.
Allez les gars, allez les gars, lâchez pas! Si vous venez à Sun Peaks, il y a du ski, il y a du beau ski, mais il n'y a pas juste du ski. Alors, venez essayer toutes les activités, comme le traîneau à chien. On remercie Nancy Green de son bel accueil, aussi Simon Gagnon qui nous a fait découvrir la montagne. On vous invite à venir découvrir Sun Peaks. Entre-temps, aimez notre page Facebook et on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde! Les 30 ans de SkiMag vous ont été présentés par Gendron Ski. Michel Lavigueur est fier de skier sur Raccoon, Québécois de souche. Les vêtements de laine Mérino sont offerts par Icebreaker. Merci aux casques prêts ainsi qu'aux lunettes de ski Spectrum. Nous désirons aussi remercier les gants Auclair, fièrement canadiens depuis 1945. Pas pire! Tu me fais faire des niaiseries! J'aime ça! Toujours!